Pendant tout le XVIe siècle, d'étranges kermesses ponctuent le calendrier religieux, transformant la célébration de certaines fêtes en de vastes mouvements de défoulement collectif. Ces jours-là, tout change de place, tout devient confusion, et la débauche, érigée en rite, renverse la hiérarchie. Au nombre de ces liesses épiques, la fête des Innocents, qui se déroulait le 28 avril, a laissé des traces mémorables. Elle faisait, semble-t-il, partie d'un cycle de réjouissances mi-burlesque, mi-obscène, qui commençait à Noël, avec la fête de l'âne, pour se terminer le jour de la circoncision, avec la fête des fous. C'est une coutume ancienne, écrit un chroniqueur du XVIe siècle, et assez connue que le jour des Innocents, après Noël, on donne le fouet en badinant, en mémoire du massacre des Innocents. De là est venu le proverbe de donner les Innocents pour dire « donner le fouet ». Aucune entrave à la pudeur ne réfrénait, en cette journée de pieuse débauche, l'ardeur paillarde des paroissiens toujours fidèles à cette coutume qui consistait à surprendre les jeunes innocentes au saut du lit pour les fesser copieusement avec la main ou avec des brindilles de bouleau. Les prêtres participaient à de telles réjouissances avec un zèle d'autant plus virulent qu'ils invoquaient leurs conditions de célibataires forcés. On en trouve la confirmation dans l'un des actes du Concile de Nantes en 1491, qui leur interdit, je cite, « de se répandre désormais dans les maisons de la ville et d'arracher les personnes de leur lit le jour des saints innocents pour les conduire nus par les rues et les placer ensuite avec de grands cris sur les autels, dans les chœurs des églises et ailleurs ». Plusieurs documents prouvent l'extension de cette coutume en province à la fin du XVIe siècle. « Vous savez que l'on a à Dijon, écrit Taboureau, cette coutume de fouetter les filles le jour des innocents, laquelle est entretenue par de braves amoureux pour avoir l'occasion de donner autre chose en étrenne à leurs amoureuses, et cependant avoir ce qu'ils estiment à grand contentement, voir le cul des pauvres filles et quelque chose de mal joint auprès. » Taboureau évoque même le cas d'une jeune fille un peu lasse d'être fessée et qui s'était collé un écusson royal au derrière pour qu'il inspirât enfin le respect. On trouve encore dans la littérature une foule de témoignages sur l'habitude de donner les innocents. Le fouet des saints innocents inspire encore le thème central à une nouvelle de l'Heptaméron, mais c'est sous la plume de Clément Marot que cet usage trouve sa consécration la plus savoureuse. « Très chère sœur, si je savouais aux couches, votre personne au jour des innocences, de bon matin je irouais à votre couche, voir ce jancor que j'aime entre cinq sens. A donc ma main veuille l'ardeur que je sens, ne se pourrouait bonnement contenter, sont touchés, tenir, taster, tenter, et si quelqu'un survenouait d'aventure, semblant ferouet de vous innocenter, serouet pas honneste couverture ? » D'autres saturnales chrétiennes égayent l'existence quotidienne du Moyen-Âge et du début des temps modernes. À commencer par cette danse de Saint-Jean, au cours de laquelle les fidèles des deux sexes, entraînés dans un tourbillon frénétique, se dépouillaient de leurs habits et s'en allaient danser tout nus dans les églises et dans les cloîtres. L'une de ces kermesses érotiques, celle du Saint-Sacrement, se déroulait à Aix-en-Provence et durait 8 bons jours. Le roi René, comte de Provence, en appréciait tellement la verve paillarde qu'il en confirma les privilèges. Pendant tout l'octave de la fête Dieu, une étrange clameur profane retentissait dans tous les sanctuaires de la cité provençale. Jeux, festins, danses échevelées mêlaient dans une même trépidation tous les jeunes gens venus des environs. Mathurin Noré a laissé un témoignage indigne sur l'indécence de ses compatriotes et sur les bouffonneries ridicules qui accompagnaient cette fête. Les processions donnaient lieu notamment à d'étranges comédies. Les amours se mêlent dans les rangs, à la suite des corps de métier sont des jeunes gens des deux sexes, habillés les uns en berger, les autres en nymphes. Et ce qui est de la dernière indécence, malgré la présence du Saint-Sacrement, les bergers ne se piquent point de sagesse, ni les nymphes de sévérité. Et que dire de ces scènes de flagellation souvent railleuses, souvent sanguinolentes? Que dire de ces mascarades licencieuses qui se déchaînent dans une atmosphère de folie érotique? Loin de fuir la lumière du jour pour se retrancher dans le pudique refuge de la peinture et de la sculpture de la Renaissance, le nu s'insère dans la réalité quotidienne du XVIe siècle avec une complaisance qui frôle l'exhibitionnisme. Impression que confirme, à la fin du XVIe siècle, la mode éphémère des processions de nus.
Cette lecture était extraite du livre « Mythologie de la femme dans l'ancienne France » de Pierre Darmon, paru en 1983 aux éditions du Seuil.